le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, c'est votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 076. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelobel.com/groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Richard Delhomme, un Français qui adore le vélo, mais également écrire. C'est pourquoi il a cofondé en novembre 2017 Spotzol, un blog qui partage le récit des cyclistes. Spotzol a entre autres pour mission de valoriser l'aventure à vélo sous toutes ses formes, sans distinction de niveau. En plus d'un blog, l'entreprise a également son podcast, qui compte déjà plus de 70 épisodes au compteur. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Richard Delhomme. Salut Richard, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté. Tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du sport et particulièrement, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du cyclisme? Ma pratique, elle remonte aussi loin que je me souviens, que je puisse me souvenir plus exactement. J'ai toujours plus ou moins fait du vélo, sans avoir été bon, sans avoir été un champion, sans avoir été un athlète de haut niveau. J'ai toujours pédalé, j'ai toujours adoré ça. Et je peux chercher autant que je veux. Il n'y a pas un sport qui me fait vibrer autant. Il n'y a pas un sport qui me fait ressentir ces émotions. J'aime bien regarder d'autres sports, tu vois. J'aime bien le biathlon, j'aime bien le ski de fond. Je suis un petit peu déçu. J'ai un t-shirt blanc, mais en fait, je m'étais dit, tiens, je vais mettre mon t-shirt des Canadiens parce que j'aime bien regarder un petit peu. J'aime bien regarder le hockey. J'aurais pu mettre ma casquette du Maple Leaf. Ça aurait été super drôle, mais c'est rien comparé à côté du vélo. Et quoi que je fasse, c'est la seule chose vraiment qui me, enfin en tout cas en termes de sport, qui me fasse vibrer autant. Donc, ça répond quasiment à ta question parce que j'ai commencé comme beaucoup de cyclistes, en tout cas en France ou en Europe, avec mon père. C'est souvent ça, ce qui explique qu'il y ait de moins en moins de pratiquants et de moins en moins de licenciés, en tout cas en France. Mais on commence souvent comme ça avec nos parents et puis voilà. Alors de temps en temps on peut être écœuré parce que justement à force de se faire gueuler dessus par notre père dans une côte à l'adolescence, on se dit attends, je vais plutôt aller draguer les filles, c'est bien plus intéressant. Et puis finalement des fois on va draguer les filles et on se remet au vélo après. Donc, ça, c'est comme ça. Puis, quel a été ton plus gros défi en carrière jusqu'à présent? Parce que j'ai lu justement des articles sur Spotzol. Donc, tu fais vraiment des grosses distances. Donc, pour le monde qui ne connaît peut-être pas beaucoup ça, c'est pas juste des distances de 50 km. C'est vraiment, tu fais des très, très longues distances. Donc, ça a été quoi ton plus gros défi? Puis, qu'en as-tu retiré? Le plus gros, c'est celui qui est à venir. C'est toujours celui... c'est un peu comme les voyages. Quand on demande c'est quoi ton plus beau voyage, c'est le prochain. Et les challenges, c'est un peu pareil. C'est quoi le plus gros? C'est le prochain. Parce que finalement, celui qu'on vient de faire, il avait l'air gros. Et puis, on va au bout, plus ou moins au bout. On l'accomplit ou éventuellement, on abandonne. Mais on revient avec plein d'expériences qui rendent ce challenge ou ce défi beaucoup moins intimidant parce qu'on l'a déjà un petit peu fait et on sait où on va. Et ce qui rend les choses difficiles, c'est l'inconnu. Et voilà, donc non, le plus gros, c'est le prochain. Donc le plus gros, ça sera certainement en septembre.
de refaire ce que j'ai loupé il y a une dizaine de jours, donc un tour de la Lozère. Donc pour tous mes amis québécois qui écoutent maintenant, la Lozère, c'est le sud de la France, vers Montpellier. Si vous visualisez, au-dessus, il y a un département qui s'appelle la Lozère, qui est extrêmement accidenté, avec beaucoup de cailloux. Et là, l'idée, c'était de faire une boucle de 330 km avec 6 200 de dénivelé, donc une belle balade dans les cailloux. Et j'ai abandonné au bout de 240 à cause de la chaleur, parce que là, en France, on a une vague de chaleur infernale. Et il s'avère que bah, plus je vieillis, moins je supporte la chaleur. Donc l'après-midi, j'ai été plutôt mal en point. Et le soir, où il était trop tard pour attaquer la troisième boucle, la troisième partie dans de bonnes conditions, à la fois d'alimentation, d'hydratation et de sécurité même. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, c'est que du vélo, hein. On parle de challenge, de trucs comme ça, mais c'est que du vélo, ça n'a aucune importance. Je pourrais avoir accompli mon truc, j'arrêtais pas, ça arrête pas le Covid, ça arrête pas la guerre dans le monde, ça soigne personne. C'est que du vélo, donc peu importe. Donc je vais, malgré tout, parce qu'on a tous notre petit orgueil, recommencer en septembre ou à l'automne quand il fera beaucoup plus frais. Parce que malgré tout, je supporte bien plus le froid que la chaleur. Voilà. En lien avec cette passion pour le vélo, tu as lancé, en fait, tu as cofondé en novembre 2017 Spodzol, qui est un blog pour, comme j'ai mentionné, les cyclistes aventureux. Donc, c'est des gens qui écrivent leur aventure justement dans le monde du cyclisme, mais pas juste du vélo sur route, donc vraiment différents types de Du vélo. vélo, tout simplement. D'où est-ce que c'est ça vient cette idée et pourquoi décider de lancer un blog? Alors, déjà, c'est pas un blog, enfin, c'est un blog, mais c'est plutôt une plateforme de blogging pour que les athlètes, eux, puissent écrire. Donc, là, effectivement, techniquement, il n'est pas parfait, donc ils doivent m'envoyer des photos et je peaufine un peu la mise en page. Mais l'idée, c'est que eux, chacun, soient autonomes dans la publication de ce qu'ils veulent. Un petit peu comme Medium, un petit peu comme Tumblr à une époque, c'est ou WordPress évidemment. Mais c'est dans le même esprit. Donc l'idée, elle était toute bête en 2017. Je préparais un truc avec mon père. Donc ça s'appelle les Cinglés du Ventoux. Le Ventoux, le Mont Ventoux, c'est une montagne en Provence qui est réputée pour sa difficulté. Tout simplement parce que il y a pas de végétation en haut, on le voit de très très loin, parce c'est surnommé le Mont Chauve. Il n'y a que des cailloux blancs en fait en haut pendant des kilomètres et des kilomètres. Tu ne roules que dans les cailloux, donc ça reflète la lumière, c'est extrêmement difficile et carrément torride en été. Et déjà une montée, c'est difficile. Et il y a trois accès. Donc le challenge, je fais comme ça. Il y a trois accès. Donc le challenge, en fait, c'est de faire les trois montées le même jour. Pareil, ce qui semble idiot quand on l'a pas fait, mais en réalité, ça passe très très bien. C'est juste une question de préparation. En réalité, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est pas si difficile que ça. Et le vrai challenge, ça serait plutôt d'en faire 5 ou 6. Parce que là, ça faisait 140 km et 4 000 de dénivelé. C'est vraiment pas. Vu ce que je fais aujourd'hui, en plus dans les chemins, là, c'était le Ventoux, c'était sur route. C'est vraiment pas méchant, méchant, hein. Donc, quand on roule un petit peu, c'est pas si difficile que ça. Par contre, dans les chemins, ça sera autre chose. Et du coup, on cherchait des infos avec mon père. On cherchait. Bah, dans quel ordre commencer, comment procéder, en fait, simplement du partage. Et je me suis rendu compte que c'était difficile de réunir des informations sur un truc en particulier, à moins de courir les forums, les groupes Facebook, les pages Facebook. Mais bah, comme tu le sais, les pages Facebook et les groupes ne sont pas référencés sur Google, donc c'est un peu laborieux. Et je me suis dit, bah, on va essayer de créer un truc comme ça. Et puis, j'ai trouvé un mec pour m'aider techniquement. Moi, j'ai bidouillé le temps que lui bidouille un truc sur vraiment en code. Moi, j'ai bricolé un prototype sur WordPress que j'ai détourné. J'ai pris un WordPress de listing de restaurants. Bah, d'ailleurs, c'était à Toronto, en fait. Le template, la boîte du template est basée à Toronto. Et je l'ai détourné pour faire un genre de médium pour cycliste.
Et voilà, et bah aujourd'hui, c'est toujours ce même prototype qui est utilisé, qui agrège aujourd'hui environ 150 récits d'athlètes sur plein d'aventures. Les pages Facebook et Instagram commencent à grossir correctement. On commence à avoir une petite notoriété. Bon, là, on va faire un petit pivot, on va changer légèrement d'orientation parce que bah, la culture française et européenne est ce qu'elle est, et on a moins cette orientation storytelling que des anglo-saxons ou des nord-américains comme vous. Donc, on va aussi ajouter une petite touche de tracé, tu vois, de trail un petit peu pour ajouter quelque chose de plus que ce concept vraiment de storytelling qui est un petit peu intimidant pour certains. Et puis, il y a eu aussi cette fameuse crise du Covid qui a anéanti toutes les épreuves. Les gens roulent, les gens ont envie de savoir où rouler, où trouver des parcours, mais il n'y a pas de course. Donc, miser un business sur quelque chose qui n'existe pas, ça me paraît un petit peu délicat quand même. Hein. Voilà. Donc, quand même, c'est ça, ça a apporté son lot de défis là, à la COVID, mais comment est-ce que vous Ouais. en êtes sorti? Est-ce que c'est ça, vous avez présenté plutôt des trucs pour rester en forme, des endroits où que les gens puissent pratiquer en attendant le retour des courses? Comment vous vous êtes adapté en fait à la Bah, situation? sur le coup, ouais, on a fait comme tout le monde, on a proposé du petit renforcement musculaire, des trucs à faire à la maison. Mais tout le monde a fini par faire la même chose. Moi, en plus, pendant le confinement, je suis tombé malade. Avec ma femme, on a été malade. On a eu un deuxième enfant, qui est Harry, qui est né le 21 mars. Donc, en plein marasme, tu vois, du Covid, nous, on a eu un enfant. Et donc, j'ai pas vraiment suivi toute cette tendance des réseaux sociaux à faire des lives, à faire des zooms, à faire des vidéoconférences, à proposer du renforcement. Je l'ai fait pendant 2 semaines, j'ai laissé tomber. En revanche, j'ai maintenu le podcast. J'ai juste eu 2, 3 semaines d'arrêt juste après la naissance, parce que quand même, tu vois, j'avais envie d'être un petit peu tranquille en famille, à la maison, avec les 2 enfants, le chien et ma maladie, parce que du coup, j'ai quand même été sur le carreau pendant 3 semaines. Donc, je passais mon temps à tousser, donc c'était pas génial pour faire un épisode. Donc, j'ai juste maintenu le podcast avec un ou deux lives, mais je suis très vite revenu à des formats interview conventionnels comme tu fais toi aussi. Et puis j'ai eu également pas mal de récits finalement qui sont tombés. J'ai maintenu également, j'ai mis un petit peu plus le focus sur Instagram. Et puis voilà, on a laissé le truc se passer gentiment. J'avais plutôt envie de me différencier en fait, plutôt que d'être dans le larmoyant, vivement la fin, quand est-ce qu'on va rouler, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir, c'est trop dur. J'ai un petit peu laissé tout ça, j'ai privilégié le silence plutôt que d'aller me mêler au brouhaha ambiant en fait. J'ai trouvé qu'on se différenciait bien plus en étant cool et silencieux plutôt qu'en participant à l'hystérie collective. Parce que tu le mentionnais, vous avez également un podcast qui a été Ouais. lancé en mai 2019. Pourquoi avoir Ouais. lancé un podcast? Qu'est-ce que tu aimais en fait de ce médium-là? C'est ça, vous aviez déjà un blog, là, tu as décidé aussi d'amener le podcast. Donc, comment c'est arrivé en fait? Alors, le podcast, en fait, c'est une vieille passion parce que je suis sur Apple enfin, en tout cas, je suis sur Mac et a converti Apple depuis 2006, quand j'ai eu mon premier Mac et que j'ai eu un iPod classique, tu sais, les blancs avec la roulette, c'était mortel. Donc, sur iTunes, je me suis très vite mis à écouter des podcasts et c'était complètement dingue. Je pouvais écouter plein de trucs bizarres. C'était vraiment génial. Donc, depuis 2006, pardon, je suis vraiment un inconditionnel du podcast. En 2015, je crois, je sortais d'une expérience entrepreneuriale un peu traumatisante où j'avais été l'associé qui sert à rien. Et je me suis dit, bah, ça peut pas durer, je peux pas rester le mec qui sait faire plein de trucs, mais qui finalement se demande ce qu'il fout là dans cette entreprise. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer un podcast sur les startups et sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait une soixantaine d'épisodes.
Comme à cette époque-là, je bossais pas mal en vidéo, j'ai mis à profit mes déplacements pour faire des épisodes un petit peu en dehors de Paris, etc. Donc j'en ai fait un à Stockholm, j'en ai fait un à Tokyo, j'en ai fait un à Genève. Le Tokyo, c'était le voyage de noces. Donc, en plus, on l'avait fait pendant la pause déjeuner, on était allé voir un combat de sumo. Et pendant la pause déjeuner, j'étais allé manger avec un entrepreneur français. Et puis après, on est revenu au sumo et j'ai fait le texte d'intro pendant un combat. Donc, t'entendais la foule derrière qui hurlait. Et moi, je hurlais dans mon micro, je suis à Tokyo. Ah, c'est le gros bordel. Et puis après, je suis repassé à autre chose. J'ai lancé Spotzle. Et puis en 2019, j'ai pris donc en avril 2019, je me suis pris une grosse raclée sur une course. J'ai été contraint à l'abandon au bout de 8 heures seulement parce que j'étais là très très mal préparé par contre. Et je me suis dit, pareil, ça peut pas durer. Donc je vais lancer un podcast et je vais interviewer que des mecs expérimentés pour leur poser plein de questions. Et puis voilà. Donc là, je suis à l'épisode 71. Je tiens le rythme de un épisode par semaine. Contrairement à l'autre, je fais tout par Messenger ou par téléphone, donc je fais rien en vrai. On s'appelle et puis voilà. Donc c'est des discussions avec des athlètes où on fait également des débriefs après une épreuve. Et comme là, le dernier que j'ai fait avec Stéphane qui revenait d'une épreuve entre Vienne en Autriche et Nice dans le sud de la France. Et puis c'est aussi l'occasion d'un petit peu plus de liberté. C'est juste du vélo, donc on peut se permettre de rigoler, de parler de plein de choses, de faire des bruitages, ou même de faire des épisodes grand n'importe quoi. Je voulais en faire un, c'était pour débuter l'été, donc j'en ai fait un avec un pote qui organise une grosse course en Bretagne. Et puis là, on a raconté n'importe quoi pendant 1 heure et demie. On n'a pas été sérieux, je pense qu'on a été sérieux un quart d'heure, et puis après, on a raconté n'importe quoi. Mais c'est ça aussi qui est marrant, c'est ça aussi, c'est comme ça aussi qu'on crée une communauté. C'est pas juste en étant sérieux et en amenant des trucs factuels, c'est aussi en étant aussi et surtout en étant naturel, en étant tel qu'on est. Donc je pourrais avoir un discours beaucoup plus lisse, mais beaucoup plus marketing, beaucoup plus storytelling, tu vois. Mais ça me correspondrait pas. Parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie. Donc, si les gens me voient, m'entendent, et que quand on se voit sur une épreuve, sur une course, ils découvrent tel que je suis vraiment, ils vont se dire, attends, quand il est au micro, il est sérieux, il est tout normal. Et puis quand on le voit sur une course, il fait n'importe quoi. Ça va pas. Donc, j'ai décidé de faire n'importe quoi tout le temps. Voilà. Ça explique, tout est dit. Je t'entends parler beaucoup ça, de marketing, de storytelling, des médias sociaux. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous expliquer rapidement en fait quel est ton parcours professionnel? Parce que là, on a entendu parler ça du côté plus athlète, l'importance du vélo dans ta vie. Mais au niveau professionnel, à quoi ressemble un peu ton parcours? Donc, on va peut-être aussi là comprendre l'importance, c'est ça, du podcast, la création de contenu, le blog. Donc, je te laisse nous Eh l'expliquer. ben, pareil. Pareil, c'est du grand n'importe quoi. J'étais un très mauvais élève et je détestais l'école et je déteste toujours l'école. Et pour l'anecdote, notre fille de 3 ans rentre à l'école en septembre. Et pour moi, c'est une torture parce que j'ai pas du tout envie qu'elle aille à l'école. Mais bon, elle va y aller, évidemment. Et puis, je vais être gentil avec les professeurs. Mais vraiment, j'aime pas l'école et je détestais ça. Et j'étais un très mauvais élève et mon parcours scolaire se réduit quasiment au minimum. Et tout le reste, que ce soit en vidéo, en prise de son, en mixage audio, en tournage, j'ai beaucoup voyagé grâce à la vidéo. Dans plein de pays plus ou moins difficiles, tu vois, que ce soit en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, j'ai tout appris moi-même. Bon, il y a juste une parenthèse heureuse dans ma carrière professionnelle qui est pas si lamentable que ça, c'est que j'ai travaillé 4 ans pour Apple. J'ai eu beaucoup de chance d'être creatives et formateur, donc trainer, à l'Apple Store de Genève, et c'était le premier Apple Store francophone en Europe.
juste après Montréal ou Québec, je sais plus, peut-être vers Trois-Rivières ou Saint-Laurent, j'ai plus les noms précis, je me souviens plus. Mais c'était ça a été vraiment décisif et c'est à partir de là que je me suis mis à la vidéo, que grâce à mes collègues de l'époque, j'ai été initié au mixage audio, à plein de choses. Et après, j'ai travaillé tout seul avec des tutoriaux. Donc, je suis un pur autodidacte. Pareil pour les réseaux sociaux. C'est vraiment Spotzl qui m'a à cause et à grâce à Spotzl que je sais faire ce que je sais faire maintenant. Que ce soit animation de communauté, vraiment comprendre et maîtriser les codes des réseaux sociaux, donc mettre des contenus, créer des contenus intéressants et alléchants, appealing, si on pourrait dire en anglais. Tout ce qui est, il faut peut-être pas le dire, mais n'empêche que tout le monde le fait, donc il faut le mentionner, mais tout ce qui est automation et utilisation d'un bot, c'est super difficile, c'est super délicat parce que si on le règle mal, si on fait n'importe quoi, on se fait bloquer par Insta en 10 jours, 2 semaines. Donc, ça demande beaucoup de travail et de persévérance. Et puis même le reste, bloguer, monter un business pur Internet, animer les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de persévérance. Donc j'ai écouté hier en voiture en allant chercher ma fille, j'ai écouté ton dernier épisode avec la boxeuse et tu lui demandais qu'est-ce que le sport lui a appris et elle disait la persévérance, ne jamais abandonner. Et c'est peut-être que le vélo enseigne ça ou le sport ou la musique parce que ce sont des activités qui demandent de la persévérance, mais je suis pas sûr que ça soit décisif parce qu'il y a plein de gens qui réussissent très bien, qui n'ont jamais été sportifs ou musiciens. Et au contraire, des gens sportifs ou musiciens ou autre chose qui ne réussiront jamais là-dedans. Et puis moi, je fais les deux et je suis pas complètement convaincu de réussir non plus ou même d'échouer. Je suis plus ou moins entre les deux. Et en tout cas, on est toujours plus ou moins à deux doigts d'échouer ou de réussir. Il y a jamais rien de définitif. Et voilà. Et du coup, pour te répondre à ta question, j'ai pas le moindre diplôme. Mais j'ai tout travaillé moi-même avec des tutoriaux, avec de l'expérience, avec des essais, avec beaucoup d'échecs, mais avec toujours l'envie de se dire, bon, je réessaye, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la bonne. Et voilà. Et généralement, non, c'est pas la bonne, mais on y retourne parce que on aime ça. Et voilà. Et puis, c'est un bon indicateur, tu vois. Si on n'aime pas ça, si on n'y retourne pas, c'est que finalement, c'est peut-être pas fait pour nous, c'est peut-être pas la super idée qu'il nous faut. Mais si on y retourne malgré tout, c'est qu'on tient un truc et c'est là qu'il faut s'accrocher. Parce que si on n'a pas l'impression qu'on nous arrache un rein ou que notre cœur se déchire quand on a la sensation de devoir abandonner ou qu'on est en train de le perdre, c'est qu'on l'aime. Ce truc-là, on ne l'aime pas tant que ça finalement. Et il faut avoir envie de pleurer quand on sent qu'on va abandonner. Et là, on sait qu'on l'aime, ce projet. On sait qu'on aime ce projet à ce moment-là. Mais merci beaucoup pour les précisions. Un retour aussi sur ton parcours atypique qui t'a amené quand même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Quels sont tes objectifs pour les prochaines années, tant au niveau du vélo, tant personnellement dans ton parcours professionnel qu'avec Spotzl? C'est pas facile comme question. Parce que je pourrais dire un truc conquérir le monde, mais c'est nul. Tu vois que ça fonctionne, que les gens soient heureux de ce qu'ils découvrent, amener quelque chose d'utile, parce que finalement je le fais un petit peu pour moi, mais je le fais surtout pour les gens, pour les amener sur un vélo. Si c'est que pour moi, c'est pas le cas, mais pour gagner plein d'argent, ça sert à rien. Ou alors gagner plein d'argent, il faut que ça serve à ma famille pour que mes enfants puissent aller dans des supers écoles, qu'on puisse voyager, qu'ils découvrent des choses et qu'ils deviennent de supers êtres humains. Mais si c'est juste pour moi, pour continuer à faire du vélo comme un idiot, ça sert à rien du tout. Donc, la seule chose qu'on puisse souhaiter quand on monte un business, c'est que ça serve aux gens qui l'utilisent et que ça serve à notre famille et à nos proches et que ça soit pas juste un petit truc égoïste pour montrer sa tronche sur les réseaux sociaux, mais au contraire, on doit s'effacer devant les utilisateurs et devant nos proches ceux à qui ça sert vraiment. Et voilà. Et Richard, là-dedans, c'est
Bah, si tout le monde est heureux là-dedans, je serais heureux aussi. Mais et puis je pourrais faire du vélo s'ils sont heureux. Mais s'ils sont malheureux et que les gens n'utilisent pas ce puzzle, et bah, ça sert à rien. Donc voilà, c'est la seule chose qui puisse me faire plaisir, c'est que les gens soient heureux, qu'ils y trouvent leur compte, qu'ils découvrent des choses et que ça retombe un jour ou l'autre sur ma famille. Et voilà, et sur mon chien. C'est parfait. Voilà. Donc, pour terminer l'entrevue, quelques petites questions en rafale. Ma première question, c'est quelle est la Vas-y. chose la plus importante que le sport t'enseigne? Ah, j'ai déjà répondu. La chose la plus difficile que... Attends, c'est quoi ta question? La chose la plus importante que le sport t'enseigne ou que le vélo t'a enseigné Ah. dans ce cas-ci? Je peux pas répondre à ça. Parce que quand tu as des enfants, le vélo, le sport, tout ça, c'est rien du tout à côté de la joie et de ce qu'on apprend d'avoir des enfants. On peut dire tous les clichés sur le sport, sur la pugnacité, la combativité, ça m'a rendu plus fort, ça m'a rendu plus sûr de moi, ça m'a rendu je suis quelqu'un de meilleur parce que je fais du vélo. Non. C'est des conneries. Ce qui nous rend meilleur, c'est d'avoir des enfants et je suis plus même depuis que j'ai des enfants et le vélo n'y fait rien du tout, au contraire. Non, c'est on, ça, le sport a beaucoup de bienfaits, mais ça n'a rien à voir avec les effets d'avoir des enfants. C'est que des enfin, ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce que les enfants, on s'occupe tout le business, le vélo, il faut s'en occuper tous les jours, mais on peut s'arrêter de temps en temps quand on en a marre, on peut changer d'idée, mais quand tu as des enfants, c'est tous les jours, c'est du matin au soir et on ne peut pas en changer. Même si des fois on en a envie. Hier soir, on en avait envie. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Ah! Ah, l'Estrade Bianche. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, j'ai fait plein de trucs. Ah, peut-être rouler en Californie aussi. Ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, l'Estrade Bianche. Donc, l'Estrade Bianche, ça veut dire chemin blanc en italien et c'est une course en Italie, donc à Sienne, en Toscane, à côté de Florence. Et du coup, on traverse la Toscane, on roule sur des grands chemins blancs bordés de cyprès, on y mange incroyablement bien. Je crois que j'ai pris 5 kilos en une semaine parce que je mangeais 3 pizzas par jour. C'est l'Italie. Et je suis pas le seul. J'ai un pote qui m'a raconté la même chose. Et tu vois, c'est ça aussi le vélo. C'est certes faire du vélo, se faire plaisir, faire un effort, faire une performance, tout ce que tu veux. Mais c'est aussi l'occasion d'aller rouler dans un endroit qu'on connaît pas et de se dire, ah tiens, je suis pas chez moi. Et les gens ne vivent pas comme moi. Les gens ne vivent pas comme chez moi. Ils parlent pas la même langue. Et bah, j'ai une expression un peu bête, un peu vulgaire, mais c'est de revenir un petit peu moins con qu'on était en partant. Et de revenir en se disant, tiens, j'ai appris un truc, j'ai vu comment les gens vivent ailleurs. Et bah ouais, tiens, incroyable, ils vivent pas comme moi, ils parlent pas comme moi, et ils ont pas les mêmes points de vue sur les choses. Et c'est juste, bah ouais, de revenir un petit peu moins con qu'on était. Et voilà, et la Californie, c'est pareil. Et tous les voyages hors vélo, c'était pareil. Mais ouais, en vélo, c'était vraiment l'Estrade Bianche. J'en garde un super souvenir. C'est même pas la performance, c'est le fait de rouler ailleurs et de voir autre chose et de parler en italien, tu vois, d'apprendre un mot et de ramener un mot d'italien. Et voilà. C'est parfait. Ma dernière question, c'est quel sera fait ton meilleur conseil pour un athlète, un ancien athlète ou n'importe qui d'autre qui souhaite se lancer en affaires, qui souhaite lancer un projet? Ben, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Faut avoir une bonne idée. Et j'entendais donc la boxeuse dans ton dernier épisode, un de tes derniers épisodes, qui disait qu'après sa carrière sportive, elle a essayé plein de trucs, elle a tout accepté pour voir ce qui fonctionnait pour elle ou ce qui lui plaisait vraiment. Et à la limite, si je devais donner un conseil, c'est d'écouter cet épisode parce qu'elle a tout parfaitement résumé. Et oui, tenter plein de choses et le plus difficile, c'est pas d'avoir une idée, c'est ou des idées, c'est de trouver celle pour laquelle on va vibrer. C'est un peu comme une histoire d'amour. C'est pas difficile de passer de mec en mec ou de copine en copine.
Ce qui est plus difficile, c'est de réussir à en garder un ou une et de construire quelque chose avec. Et un business, c'est pareil. C'est pas de passer d'une idée à une autre. C'est de trouver vraiment l'idée qui te fait vibrer, l'idée qui te fait réveiller la nuit, qui t'empêche de dormir, qui te donne envie de te réveiller le matin ou d'aller te coucher plus tôt au lieu d'aller dans un bar picoler et de se dire « bah non, moi, je vais me coucher parce que demain matin, je veux travailler ». Et c'est ça la bonne idée. C'est le truc qui te réveille, qui te tient un peu comme bah, une copine que tu as envie d'aller retrouver ou un mec qu'on a envie d'aller retrouver bah, vite, vite, parce que c'est lui ou c'est elle. Et c'est la même chose. De toute façon, ça doit être une histoire d'amour. Hein. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand on sent que ça peut s'arrêter, il faut être au bord des larmes. Sinon, si on se dit, bah, c'est pas grave, next, bah, c'est que c'était pas la bonne alors. Donc, tu peux retélécharger Tinder et c'est parti. Merci beaucoup, et puis, Richard. Pour finir, ouais, il faut juste se lancer. Il faut juste se lancer parce que bah, c'est pas si difficile que ça. Aujourd'hui, on est en 2020, on peut lancer plein de trucs, on peut lancer un blog, on peut lancer. Enfin, ça fait un peu Gary Vaynerchuk du vélo de dire ça. Mais il a raison dans le sens où il ne fait que balancer des évidences. Et on peut pas le contredire pour ça parce qu'il ne balance justement que des évidences et des lieux communs. Ça n'a jamais été aussi simple. Tu peux monter un WordPress, tu peux monter une page Facebook, un podcast, un Instagram. On a tous les outils pour monter un truc. C'est pas comme il y a 10 ou 15 ans où il fallait faire prospecter. Aujourd'hui, tu montes, tu as un produit, tu fais un Instagram avec des belles photos et puis voilà, c'est parti. Donc, ça n'a jamais été aussi simple et à la fois jamais aussi difficile parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde qui veut faire que ça et qui pense que c'est facile. Mais justement, c'est parce que beaucoup de monde pense que c'est facile que c'est vraiment facile. Parce que pour qui veut bosser, il y a vraiment moyen de s'en tirer. Bien, merci beaucoup pour ton temps, Richard. C'était vraiment très, très apprécié, très intéressant. Bah, merci à toi, Amélie. Bonne chance. Et puis, quand je regarderai du hockey ou que je mettrai mon t-shirt des Canadiens, j'aurai toujours une pensée pour toi. Voilà. C'est parfait. Mais merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup encore une fois à Richard Delhomme pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 76e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amelie-delebel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amelie-delebel.com/blueberry. BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.